aujourd'hui, c'est donc le jour de la remise des cadeaux pour les jeunes qui ont participé à notre rubrique On Dote Coup de Chaîne et qui expliquaient comment ils encourageaient nos différents cyclistes. Et ce soir, nous sommes avec les cyclistes de l'AC Carac, avec le beau maillot de champion de Guadeloupe à ma droite, et tous les autres. Alors évidemment, il y a les sportifs, mais il y a aussi l'encadrement. Elles sont là, les jeunes filles qui sont dans le club, les dirigeants, parce que sans bénévoles, vous le savez bien, le sport et singulièrement le cyclisme ne peut pas aller bien loin. Nous sommes chez donc un partenaire qui nous a suivis pour cette rubrique On Dote Coup de Chaîne, qui a fait des émules, ça me plaît de vous le dire. Elle a été reprise, cette rubrique, et c'est donc le moment pour nous d'offrir les cadeaux. Donc je vais d'abord appeler Mathéo, mais je crois que Mathéo n'est pas là, c'est sa maman qui va représenter Mathéo. Alors, venez avec moi. Bonjour, quel est votre prénom ? Régine. Régine, est-ce que vous êtes cycliste, sportive, Régine ? Sportive, non. Cycliste, oui, j'essaie. Hein. Je tiens sur un vélo, c'est déjà ça. Vous avez l'équilibre ? Ouais. Sans les petites roues arrière ? Sans les roues arrière. J'ai un petit vélo d'appartement et je lui dis bonjour tous les deux jours. Très bien. 30 minutes. Qu'est-ce qu'il y a le plus dur sur ce vélo ? Vous êtes de... Il y a des montagnes, il y a des choses comme ça, ou c'est toujours les... Je ne suis pas une grimpeuse, je ne vais pas mentir. Uh-huh. J'adore tout ce qui est plateau. Voilà. Ah, bah, très bien, très bien. C'est déjà ça. Eh bien, on va donc offrir le cadeau à Mathéo, que vous allez le lui remettre. Voilà. Il va être heureux, mon fils. Ouais. Hein, je suis ravie, il va être heureux. Donc, vous allez lui transmettre nos félicitations. Merci. Félicitations. Alors voilà, pour la postérité, il y a aussi des photographes, il n'y a pas que les caméras, il y a aussi les photographes qui sont là pour remettre ce cadeau à Mathéo. Voilà, une belle tablette. Ouais, j'aurais dû participer au jeu. Et notre deuxième cadeau, et ça tombe bien que ça se fasse aujourd'hui, parce que ça devait se faire il y a déjà 3 semaines, enfin un peu après la fin du tour, mais pour des raisons logistiques, on a décalé, et ça tombe bien, je vais appeler le deuxième, rappelle-moi son prénom, comment il s'appelle, c'est le nom d'un gardien de but, je crois, c'est le nom de... Loris, c'est ça? Ah, je me disais bien que c'était le nom d'un gardien de but. Où est-ce qu'il est, Loris? Ah, il est là! Loris, comment ça va? Ça va bien. Alors, je me suis laissé dire que c'est ton anniversaire aujourd'hui. Oui. Quel âge? 8 ans. 8 ans? Mais non, c'est un garçon de 5 ans. Non. Comment non? Moi, je te regarde, moi, quand j'avais 8 ans, j'étais plus grand que ça. Mange pas ta soupe. Non. Ah ben, ça se comprend alors si tu manges pas ta soupe. Eh bien, on va t'offrir pour ton anniversaire, ben, ça tombe bien. Parce que ça a été décalé. Tu sais c'est quoi? Non. Regarde, lis. Why? Maman. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, je vais dire une tablette. Voilà, gagné. C'est une tablette. Mais très bel anniversaire. Mais, et la bise alors pour Loris? Joyeux anniversaire. Et ton sport préféré, c'est le foot. Hein? Oui. T'aimes bien le cyclisme, mais ton sport préféré, c'est le foot. Voilà, mais... Les champions qui sont là, on va leur demander. Allez, viens à côté de moi. Ben merci, Loris. Viens à côté de moi. Alors, ce tour, comment ça s'est passé? Ben, plutôt pas mal, le tour de 2019 cette année. Bon, le plus décevant pour moi, c'est la grippe que j'ai chopée durant le tour. Bon, je ne m'attendais pas à ce que ça arrive, mais bon, après, dès que j'ai pu me soigner, ben, j'ai essayé de rattraper tout ce que j'ai perdu. Du coup, je finis 39e au général. Donc, c'est quand même loin du général, tandis que, parce que dès le début, j'étais parmi les 20 premiers. Mais malheureusement, Mais tu t'es quand même montré, comme on dit, tu as montré le maillot. Oui, oui, j'ai montré le maillot, surtout l'étape la plus dure, l'étape de Saint-Claude. J'étais devant avec les leaders et les meilleurs. Donc j'ai vu que j'avais des capacités et qu'il suffit juste de travailler et d'améliorer mes performances et pour que l'année prochaine soit meilleure. On t'avait vu, le grand public t'avait découvert autour de Marie-Galante. Qu'est-ce qui a évolué depuis? Ben, je monte encore plus. Donc je passe la haute montagne et je continue à m'améliorer dessus et...
être meilleur l'an prochain. Merci. Quel est le rôle d'un équipier, dis-moi? D'amener son leader à la victoire, le protéger, veiller à ce qu'il n'ait aucune case, quoi que ce soit, qu'il soit optimal pour la victoire. Et si un jour tu vois que la victoire te tend les bras, tu lui demandes la permission ou tu y vas? Pas au leader, plutôt au directeur sportif, voir si vraiment ça ne joue pas sur le général, si c'est une course à étapes, si ça ne joue pas sur le général, s'il n'y a pas un problème derrière, si vraiment je peux gagner et qu'il n'y a aucune conséquence sur le général, oui, on peut tenter sa chance. Quel souvenir tu gardes de ce tour 2019? Ah non, moi je n'ai pas participé au tour. Tu n'as pas participé au tour? Mon père, oui, mais pas moi. Ah, ton père? Ah, tu étais au tour de Marie-Alante. Bon. Alors, ton père, c'est qui ton père? Un certain Kenny, c'est ça? Tout à fait, Kenny là. Je me disais bien aussi. Alors, et c'est lui qui t'a incité? C'est en le suivant? Non, c'est plutôt les deux. Parce que je veux savoir que ma mère aussi fait du vélo. Merci Yvan Théophile, en les voyant depuis tout petit. Ta mère, c'est une championne. Hein. Mon père aussi. Mais non, mais ton père, c'est un champion. Ta mère, c'est une grande championne. Oui, tout à fait. Ils sont tous les deux champions. Donc, du coup, en les voyant depuis tout petit, ça a donné envie. Ouais, tu ressembles plus à ta maman quand même, hein, Sylviane Théophile. Allez, non, mais c'était une très très grande championne. Enfin, c'est encore une grande championne. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Elle est des abîmes. Tiens, viens, elle est des abîmes. Elle ne fait pas que du vélo. Hein. C'est une athlète, Sylviane. Alors, comment garder sous pression, sous concentration, toute une équipe pendant une dizaine de jours comme ça? Il faut savoir parler aux jeunes, surtout ce sont des jeunes. Ne pas leur mettre trop de pression, et voilà, et ça se fait naturellement. T'es meilleur en tant que coach que joueur de domino, j'espère. Parce que je me souviens, t'as pris quelques pluches au domino, hein. Ça évolue entre temps, hein. En tout cas, merci et félicitations aux jeunes qui ont accompagné tous les coureurs. Ils avaient bien évidemment des coureurs préférés, mais ils ont accompagné tous les coureurs à l'occasion de ce Tour cycliste de Guadeloupe 69e édition. La SC Carac qui s'est très bien comportée sur le Tour. J'imagine que tu es content. Oui, je suis très content et je voudrais faire un petit message passé. Remercier mes partenaires du Tour. Cochon Plus, la Ville des Abîmes, Bouchette 66, Carikera Assainissement. Voilà, et un gros merci à tous. Merci beaucoup et à l'année prochaine. Eh bien, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Et il y a aussi des bons. Alors, pour les jeunes qui sont là et qui n'ont pas gagné, vous allez avoir des bons. Viens avec moi. Ah, ils sont jumeaux ceux-là. Oui, allez, venez. Vous allez avoir des bons pour venir ici à ce restaurant je sais pas combien de bons, un chacun, mais je sais pas combien de bons qu'il y a dans un carnet, mais au moins je compte sur vous là pour m'inviter. Hein. Quels sont les prénoms? Moi c'est Mathis et lui c'est Mathieu. Moi c'est Mathieu. Et lui c'est Mathis. Donc Josué, que vas-tu offrir aux jumeaux? Parce qu'ils sont jumeaux, hein. Jumeaux, il n'y aura pas de jaloux parce qu'ils auront chacun un carnet tchèque avec des menus et des sandwichs McDonald's et aussi des desserts, donc complet pour chacun d'entre vous. Donc vous allez pouvoir les utiliser quand vous voulez dans n'importe quel McDonald's. Vous récupérez un chèque McDonald's et vous allez pouvoir déguster nos bons menus. D'accord? Alors je vais te montrer. Donc c'est un carnet privilège avec ton Big Mac. Quel est ton sandwich préféré? Eh bien, ton Big Mac, il est déjà là, ta boisson, ta frite, ton dessert, ton Happy Meal et encore un Big Mac. Donc, félicitations. Merci. Alors, Josué, tu es l'un des partenaires, est l'un des partenaires donc de l'ASC Carac, avec donc Collins Faiton, le champion de Guadeloupe, qui s'est bien comporté, hormis nous expliquer tout à l'heure un petit problème de santé pendant la compétition. J'imagine que ce n'est pas un coup que vous allez faire avec eux, mais vous allez vous inscrire dans la durée. C'est vraiment pas un coup parce que ça fait déjà 5 ans, le président me dit 5 ans qu'on les accompagne. Il faut savoir qu'on accompagne aussi la structure UFOLEP. Donc on n'accompagne pas que l'équipe qui a parti autour de la Guadeloupe. Donc ça fait 5 ans qu'on accompagne l'équipe de Carac. Et cette année, on a été vraiment ravis d'avoir aujourd'hui une équipe avec des jeunes Guadeloupéens, des jeunes prometteurs, champions de la Guadeloupe. Ce n'est pas rien. Donc oui, on va continuer le partenariat. On a encore d'autres jeunes de Carac qui sont là, qui sont prometteurs. Donc ça fait partie,
en fait, de l'ADN de McDo, en fait, la compatibilité, l'esprit d'équipe est totalement aligné avec les valeurs de la SC Carac. Je n'ai pas envie de te piéger, mais je vais te poser quand même la question. Si, par exemple, Collins a un petit problème, il te dit « Bon, Josué, moi, je ne peux pas m'entraîner correctement, je ne travaille pas. Est-ce qu'il y a une éventualité de pouvoir l'aider ?» Voilà, tu vois, je travaille pour toi. Ah non, mais on l'aide déjà. Je sais qu'il aime bien ses menus royal, donc il vient prendre ses menus royal chez nous. Donc, il sait qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Non, c'est-à-dire qu'on a un partenariat avec l'équipe. McDonald's Guadeloupe, c'est 550 employés. Donc, dès qu'on peut accompagner les jeunes, on a une jeune chez nous qui est championne de la Guadeloupe de Body Fitness. On a d'autres jeunes qui sont au championnat de football, championne de football avec nous. Donc, oui, le sport fait partie aussi de la culture de McDonald's. Donc, c'est avec plaisir qu'on accueillera un jeune comme Colin Faiton chez nous. Voilà ce qu'il fallait dire pour boucler complètement ce Tour cycliste de Guadeloupe 69e édition avec la SC Carac donc, qui est le partenaire donc, de ce restaurant, du restaurant de la famille, avec les deux jeunes jumeaux. Regardez la caméra. Donc ils ont coiffé différemment aujourd'hui, donc on peut les reconnaître. Bon, ce sont de faux jumeaux, me dit-on, mais ils sont jumeaux. Et ils ont donc chacun un carnet pour venir ici ou ailleurs. Merci en tout cas d'être venu pour bien cette cérémonie de remise de cadeaux. C'était pas vraiment un jeu, c'était une participation donc à ce en d'autres coups de chaîne saison 3 qui avait donné la parole aux jeunes et qui les jeunes qui nous ont dit comment eh bien, ils encourageaient les cyclistes du Tour de Guadeloupe et d'une manière générale les week-ends sur les routes de Guadeloupe et peut-être un jour qu'ils pourront. Oui. Ah ben voilà, un beau sourire féminin. Mais tu peux garder tes lunettes. Voilà, on va terminer sur une belle image. Ça ne veut pas dire qu'avant c'était pas beau, hein, j'ai pas dit ça. Et on va se donner rendez-vous, bien évidemment, pour les prochaines courses sur nos routes, mais surtout pour le prochain tour avec Collins qui sera, je l'espère, je te le souhaite vraiment, sur le podium. Tu as le potentiel pour l'être, parce que j'espère que ta préparation ne sera pas perturbée et que tu seras en pleine forme sur le tour et que tu vas garder aussi ce maillot de champion de Guadeloupe. Voilà, la suite des programmes sur notre antenne. Merci de nous avoir suivis à l'occasion donc de cette remise de récompense à nos jeunes pour d'autres coups de chaîne saison 3 qui était donc diffusée dans le cadre du journal du Tour de Guadeloupe 69e édition. Allez, Nanou, allez, allez. Ouais, allez, allez, by force. Tu vas aller, allez, allez, allez. Allez, 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 allez. Allez, Larry. Kieran Barolin. Vas-y, allez, William. Bon courage, allez. Allez, allez. Allez, Kieran Barolin. Allez, allez. J'ai dit allez, allez. Allez, allez, appuyez, appuyez. Allez, 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 on va gagner. Allez, 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 allez. Vamos, vamos. Allez, allez, allez. Allez, allez, force, courage. Allez, allez, allez. Et allez, l'arrivée est tout près. Allez, 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 allez. Allez, 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 tu vas aller plus vite. Yep, yep, yep. Allez, allez. Il peut le faire. J'ai fait allez, allez. Gagné. Allez, Anaël. J'applaudis. Allez, allez, allez. Allez, Nanou. Allez, Boris Karem. Allez, Nanou. Allez, tout le coup de DS que je vois. Allez, allez. Allez, Nicolas. Comme ça ?